Da Silva et à mes côtés, Omar Da Fonseca, oui, l'homme qui a osé laisser sa carte de visite à Léo Messi. Au menu, c'est une affiche en mode club. Et jouer ça. Ah, le but sur cette tête plongeante. Qu'est-ce que c'est bien joué. Ouais, on se met un doute. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien. C'est un mètre 3, il a mis la tête. Et voilà le cabezazo, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et on voyait le ballon dans le but. Le ballon est maintenant récupéré. Guy, un bon ballon à jouer pour profiter du couloir. Et c'est le moment de déclencher. Oh, Thomas, bien joué, bien présent à la tombée. Très bonne progression, balle au pied. Et oui, le tir. Oh, c'est manqué. C'est manqué cette grosse occasion. Attendez, parce que là, j'ai un doute. Oui, l'occasion est annulée pour un hors-jeu. Guy. Attention à cette passe. Hors-jeu, je crois, non. Hors-jeu, mec. Je le vois qui tient hors-jeu depuis le début. But annulé pour un angle un peu long. Ou peut-être à la mèche des cheveux qui dépasse. Oh, il s'est bien donné en retrait. Non. Sérieux, mets de la puissance dans tes tirs. En fait, je voulais mettre le plus petit, mais je sais pas comment il s'appelle, le bleu. Ah non. Corner. Ah non, il est pas bien joué ce corner. Et un ballon sans difficulté pour la gardienne. Alors il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer, laisse l'avantage. Oh putain, dangereux là. Eh ouais, contrôle. Comment peut-on rater une occasion pareille? C'est invraisemblable. Tout le monde se prend la tête dans les mains. On les mains dans la tête. Guy. Parce qu'on ne peut pas. Dommage, ballon perdu. Ouais, ça peut être une situation intéressante là. Et le ballon vers la surface de réparation. Non, non. Et non, la gardienne là qui s'empare du ballon. Eh ouais les gars là. Je savais pas que j'ai un problème de. Ah, peut-être l'égalisation. Ouh, c'est contré, in extremis. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Ah, le bloc bascule bien histoire de profiter des couloirs. Attention! Et oui, voilà, Guillaume! Voilà! Le break est fait! Bien joué la passe! Ce n'est pas le football, c'est rare que tu l'aies. Ça se voit que tu stressais quand tu as tiré. J'ai pas du tout les stats pour tirer. J'ai pas du tout les stats pour tirer. Bien joué, bien joué. Les stades de DLG. Oh, c'est un bon ballon, non. Ça. Non, je peux. Et oui, voilà. Plus qu'un but de retard maintenant. Retard mon match. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Hey, bon arrêt, mais ce n'est pas fini. Non, non, sur moi. Il faut faire attention parce que là ça peut être dangereux. J'ai joué direct sur le centre. Je vois direct qu'il y a but. Il n'y a pas de question à se poser, les gars. On le revoit ce but. Il est bien construit avec ce centre vers la surface. Malgré TM3, c'est bien. T'es bien placé, le timing. L'arbitre laisse jouer, avantage selon lui.
l'occasion de revenir. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ouais, c'est bien fait ça. Un sacré frappe, mais c'est à côté. Martin. Sûrement. La grosse intervention là. Une offensive qui peut amener quelque chose là. Il faut centrer là, là-dessus. Intervention et donc danger écarté. Un bon contre à jouer peut-être. Récupéré en pleine surface de réparation. Mais oui, le tir à la parade, mais le danger est toujours présent. Tranquille. Et oui, un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. À noter cette première intervention absolument magnifique, mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose faite. C'est récupéré par l'adversaire. Et pourquoi pas, ce bon ballon dans la surface. Allez, ce ballon est subtilisé, in extremis. L'arbitre a bientôt sifflé la pause, c'est un recours bien mérité pour l'équipe visiteuse. Le match n'est pas fini, évidemment, mais ces deux buts d'écart, c'est la signature d'une équipe qui domine le jeu et l'enjeu de ce match. Et le concentre la peut-être. Oh, voilà, ta mère. Eh ouais, je reviens. Ah ouais, c'est but, c'est sûr les gars, c'est sûr, c'est écrit qui se débute. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et à la fin, une zapatasse pour tromper le gardien. C'est un mariage d'amour entre la précision et la puissance. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Bon, c'est bien. Pour l'instant, quand même, on propose quelque chose. Ah, on joue contre des joueurs PC là. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Et la bonne intervention pour récupérer. Il faut maintenant réussir à créer le danger sur cette possession. Il faut tirer là. Et oui, le but du break, le voilà, ce but si important. Ah oui, mais c'est pas évident, je reconnais jouer avec 80. Football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance, comment ça, c'est absolument imparable. 4 buts à 2 au tableau d'affichage. Oh, le bord, Tamir, pourquoi je te fais la passe?
bien joué, la passe pour créer le danger. Et le ballon vient buter sur le gardien, très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Oh, le tir de loin. Ah oui, c'est plus... Mais quel but exceptionnel. Dégage sur eux aussi, dégage sur moi. Celui-là, il a tiré depuis son salon. C'est une frappe vraiment splendide qui surprend tout le monde. Et avec ce but, le score est donc de 4 à 3. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Attention à la frappe. Il était facile. Ce ballon est intercepté. Guy. Ouais, pas mal, il est dangereux. Ce ballon vers la surface. Il joue vraiment. Et oui, le but. Voilà le troisième pour le hat-trick. C'est incroyable. Hat-trick avec un bot de 80. Félicitations. Ah, c'est bien, ça va te faire gagner des points pour progresser le ballon. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Voilà, on oui, à nous. Ballon, là. Bien joué. Eh oui, il y a la place pour un bon centre. Avec Berg. Oh. Ah, il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Et voilà, la transversale pour faire bouger un petit peu le bloc adverse. Oui, peut-être une occasion là. Oh non, complètement raté ce centre. Et ça va donc en sortie directe. Ça va servir Scrooge contre Il prend sa chance, c'est contré. Sur le côté, avec de l'espace. Eh, bien donné ce ballon. Eh, ce ballon peut faire mal. Le festival. Bien joué, les gars. C'est quoi, les gars? Historique, mon premier doublé cette année à Club Pro. Pas cette année. De tous les FIFA qu'on fait, je suis... Ah, genre, c'est vrai que je suis pas offensif. Premier doublé. La conclusion de cette action, c'est une frappe assaisonnée avec de l'huile piquante. Ah, attention, le ballon leur échappe. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Le ballon sort, c'est une touche. Je... Non, il le couvre. Il le couvre. Oh merde, eh ouais. Direction de ses partenaires. Quelle tête, on l'a presque vu dedans. Et finalement, ça va à côté. Au final, ça passe très près du montant. Mais oui, le ballon dans leurs pieds. Oui, déposer du ballon. Voilà, vous avez une petite technique, mais c'est pas passé. Le ballon en touche. Ouais. Récupération du ballon. Oh, c'est bien défendu. Attends, moi, j'ai...
est intercepté. Guy. La frappe pour le but peut-être. Oh ah putain, le plombé triplé. Oh, ça aurait été historique. Dommage. Bon, allez. Ah, la perte de balle. Il y a de l'art, de la création, de l'enthousiasme. Le tir, pourquoi tire ta mère? Vive le football! Au rejeu, les gars. C'est où là? Mais ce ballon là qui est récupéré. Et le contre est possible maintenant. Et malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. Je fais une putain de... Grosse présence au contact, ballon récupéré. Oh, oh merde. Bah si j'avais su, bah, je connais même pas les touches pour aller laisser kill. La passe, c'est aussi un art du tempo. C'est de la musique. Et la arrête frère, j'ai mis le milieu. Encore 2 minutes à jouer et ensuite tout le monde au vestiaire. Guy. Ça sort en touche. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Bah allez, bien joué les gars. Vas-y, c'était trop calculé là, tu as fait 10 000 centres dans le match frère. C'est pas grave, il y a 6 à 3, l'important c'est le résultat. C'est... Je crois il est quasiment les 4 buts viennent d'un centre. Et après. Ouais, mais à un moment donné, ils captent après. Tu vois, c'est. Hein? Pour varier. Là, ils ont capté à un moment donné. Ça y est, c'est. Ah, ils m'en fous. Oui, ils ont capté, mais à 6-3, ça va. En vrai, ils sont débiles. Hein. Moi, je capte qu'un mec qui saute tout le temps. C'est plutôt. Mais après, comment ils auraient contré à part mettre un décès? Ouais. Et nous aussi, combien de fois ça nous est arrivé un adversaire qui nous mette 50 buts sur un centre? C'est une arme redoutable. On va pas se. Non, je sais, au contraire, oui, c'est bien, bien sûr. Ça passe, c'est bien. En plus, il n'avait pas le physique pour. Ni le physique, ni la tête. Je suis sûr qu'il n'aurait mis ni en tête, ni en physique. Ah, on joue contre les mêmes? Non. Sérieux? Ça serait de la bombe. Ah ben, au moins, on leur a accordé leur revanche. Est-ce qu'ils vont se la saisir? Je crois que c'était deux joueurs PC. Non, donc je vais regarder si après, donc, si c'est deux joueurs. C'est une journée très importante pour cette équipe. Un match nul leur suffirait pour avoir le droit de jouer des matchs de promotion. Autant dire qu'il ne faut pas le faire.